Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons faire une carte de deuil. C'est parti. Alors, nous allons essayer de prendre quand même un petit peu de plaisir pour faire cette carte, bien que la situation ne soit pas top. Voilà, donc mon époux m'a demandé de faire une carte de condoléances. Donc je vais partir sur une base de cartes toujours identique en format chevalet. Et puis j'ai découpé un petit morceau de carte pour pouvoir mettre comme ceci par-dessus. Et nous allons donc nous occuper pour le moment de cette carte-là. Donc il s'agit d'une dame, du décès d'une dame et d'une personne âgée, une personne de autour de 85-90 ans, il me semble. Donc je vais venir embosser à chaud ce motif de petites dents de lion. Je trouve ça assez joli parce qu'il y a des petits, voilà, il y a un envol de petits, c'est un pissenlit, hein, un envol de petites fleurs. Et je trouve que ça symbolise bien le décès, l'envol vers la spiritualité. Donc je vais venir sur mon papier passer en premier lieu un petit coup de coussin antistatique pour éviter que n'adhèrent partout des petits grains de poudre. Donc je viens, vous l'avez vu, mettre de la Versamark pour pouvoir embosser. Hop. Je viens ancrer mon tampon comme ceci. Je vais en faire une fleur. Sur le côté gauche, voilà, comme ceci. Je vais venir appliquer de la poudre blanche. Alors je suis venue appliquer ma poudre blanche sur mon cardstock et je vais venir à présent chauffer à l'aide de mon pistolet chauffant pour faire fondre ma poudre à embosser. Bon, je coupe le son et je vous reprends juste après. Voilà, donc là je suis venue embosser ma petite dent de lion. Donc toujours par petits mouvements circulaires. Hop, donc voilà pour celui-ci. Je vais venir un petit peu foncer. Je pense que celui-ci doit être un peu plus foncé que l'autre. Donc je vais venir tout doucement foncer comme ça. Voilà, les bords. Voyez ce que ça donne. Alors je vais venir à présent tamponner mon estampe en encre du coup. Donc là j'ai choisi l'encre légèrement marronnée et je vais décaler un tout petit peu par rapport à celui que j'ai fait et qui se trouve être blanc. Voilà, vous voyez, ça donne un esprit. Donc là, je vais venir frotter avec un petit papier de manière à retirer l'encre qui s'est déposée sur ma poudre à embosser pour qu'elle ressorte bien blanche.
Voilà, bon, je peux venir jouer un petit peu sur la texture puisque ce sont des encres à oxyde en vaporisant un petit peu d'eau pour faire des petites gouttes comme ceci. Ça va faire réagir mon encre. Alors voilà ce que ça donne, le fait d'avoir mis des petites gouttelettes d'eau et je les ai essuyées avec un petit papier absorbant aussitôt après. Et nous allons venir maintenant, alors on va faire un petit essai d'abord pour venir mettre du Posca. Voilà, donc là, ma petite carte me semble pas mal. J'avais acheté une planche de tampon comme ça. Il me semble que c'était chez 4 en scrap. Et je la trouve très sympa. J'en ai acheté une pour les anniversaires et une pour les condoléances. Et il y a des petits mots dedans qui sont vraiment très bien. Vous voyez, sincère condoléance, de tout cœur avec vous, votre peine est la mienne. À vos côtés, nous partageons votre chagrin, nous prenons part à votre douleur. Tout notre soutien dans cette épreuve, recevez notre amitié, une infinie tristesse. Voilà, donc là, moi, j'en ai choisi un. J'ai choisi lequel? J'ai choisi de tout cœur avec vous. Je pense que c'est ça, de tout cœur avec vous. On va bien voir, hein, c'est ça. On va être fixé dès qu'on va le... Hop. Donc, je vais venir utiliser l'autre couleur d'encre. Voilà, oui, c'est ça, de tout cœur avec vous. Voilà, donc ma petite étiquette est faite. Je vais venir un petit peu avec l'autre encre, venir ancrer les bords. Voilà, donc là je vais certainement mettre de la petite mousse 3D pour mettre ma petite étiquette un petit peu en volume. Parce que le... Voilà, pour pas que ce soit trop plat. Alors je vais venir sécher mes petites gouttes de peinture qui ne sont pas encore sèches. Et puis on va finir le montage après. Voilà, bon ben là je vais venir à présent coller ma carte. Alors voilà, j'ai des petites choses écrites derrière. Hop, parce que je m'en étais servie comme pense-bête. C'est pas grave, hein, une fois collée. Ça ne paraîtra plus. Voilà, et je vais venir donc centrer ma carte. Comme ceci. Bon ben moi, ma partie est faite. Hein. J'ai fait le plus... facile pour ma part, et puis je laisserai le soin à mon époux de remplir le texte puisqu'il s'agit d'une connaissance à lui. Voilà,
Bon, j'espère que cette carte vous aura plu. Hein. Alors là, voilà, elle est dédiée à une condoléance hein, pour quelqu'un qui a perdu sa maman. Mais vous pouvez bien entendu l'utiliser ou utiliser la même technique hein, pour une carte d'anniversaire ou tout autre. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que vous trouvez ma carte assez jolie, assez réussie. Et puis malheureusement, bon, si ça peut vous donner des idées, on ne scrappe pas que pour les meilleurs moments. Il faut aussi penser aux moments tristes. Et ça fait toujours plaisir aux gens de savoir que l'on est accompagné dans ces moments-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'oublierez pas de liker, de vous abonner. À très bientôt, Kenavo.